If I told you I was perfect, I'd be lying. If there's something I'm not doing, girl, I'm trying. I know I'm no angel, but I'm not so bad. Anthony, on est à Almenèche, c'est une ville qui est située à côté de Nonantin. Ouais, Nonantin, Argentan, on est au pied de l'autoroute. On est un peu au centre de beaucoup d'hippodromes, Caen, Le Mans, Rouen, on est pas trop mal situé. You see me at the party conversating. That doesn't mean telephone numbers are exchanging. I know I'm not. Je vais vendre mon express si tu veux t'en servir comme aspirateur à compresse. But I'm not so bad, no, no, no. You should know there's beautiful girls all over the world. I could be chasing. J'ai un rat de 25 hectares avec deux pistes. J'ai une piste en terre de 800 mètres et puis il y en a un autre de 1600. Deux barres, un de 16 box et deux de 16 box. Et puis marcheur, tout ce qui va avec. Pas d'ol. La piste, ouais, 1600 mètres qui monte assez dur, forcément, vu que c'est un anneau, ça redescend de l'autre côté. Et une piste assez sélective avec des grands virages et elle est faite en poire. J'ai trois lignes droites, deux de 400 et une de 240. Un grand anneau qui est assez fonctionnel, on peut bien les ouvrir, c'est un bon outil de travail. C'était un souhait pour toi que ce soit pas une réelle ligne droite? Oui, c'est moins écœurant qu'une ligne droite. Une ligne droite, quand on voit le bout, quand on fait 1000 mètres, moi personnellement, ça m'écœurerait. Donc là, il y a des grands virages, on peut travailler comme sur une ligne droite, on peut tout prendre plein pot, sauf qu'on n'en voit jamais le bout. Il peut rester serein encore. Il faut lui faire concurrence tout de suite. Pour en revenir à toi, ça fait combien de temps que tu es entraîneur public? Ça va faire 7 ans. Est-ce qu'on peut revenir sur ces 7 années passées? Les hauts, les bas? Ouais, bah j'ai commencé, je faisais beaucoup de mémoire. J'ai deux premières années, j'avais pas grand chose à courir que de la récup et beaucoup de débourrage. Et puis quand j'ai déménagé à la Pichonnière, j'étais 2 ans à la Pichonnière. Et j'ai eu quelques chevaux qui ont commencé à venir dans les poulains que j'ai débourrés, qui ont commencé à aller en course. Ça s'est bien goupillé, tombé sur quelques chevaux valables. Et puis quand on est arrivé ici à 3 ans, ça s'est bien enchaîné. Tout a commencé à augmenter en nombre et puis en qualité. Et ça s'est vraiment bien goupillé. Les plus beaux souvenirs d'Antoine Violion, c'est quoi? Les plus beaux souvenirs, bah, les deux groupes de Dazana, professionnellement, et deux groupes de Dazana. Il y a gagné groupe 2, c'était un rêve de gosse. Donc, quand je me suis installé, on a quand même beaucoup galéré au début, on a beaucoup travaillé. Donc, je pensais vraiment pas que ça puisse me tomber sur le nez un jour. Qui sont les modèles d'Anthony Dolion? Les modèles, j'ai pas de poster au-dessus de mon lit avec un jockey ou un entraîneur dessus, on pique un peu partout. Maintenant, des mecs comme... Pas fort, je demande pas d'être en première page du Tour tous les matins. J'admire des mecs comme Bazir ou Thierry Duval d'Estaing ou des gars comme ça. Maintenant, à mon niveau, ce que j'aimerais, c'est faire des carrières comme des gars comme Michel Triguel ou des gens comme ça qui ont fait des carrières exemplaires, toujours des années régulières, qui ont bien fait tourner leur maison. Pour essayer les pieds sur terre, hein. Je ne serai jamais un Soulois ni un JP du Bois. Bon, tu sors un bon cheval chaque année quasiment. Non, je m'en plains pas, j'ai eu la chance de tomber sur Titus, Saga. Maintenant, à Zana, c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur un chemin comme ça. Après, il y a des gens qui ont bien plus de récits que moi. Voilà, bon. Il y en a pendant moins aussi. Hein. Oui, bon, je me plains pas. Je suis parti des gens qui ont pas. Les factures sont payées, c'est principal. Alors, Ulysse Trembladé est arrivé à la maison. Il a eu un problème de santé, il a eu une petite fêlure. Il a bien fait chez Jean-Michel.
C'est un bon cheval. Un cheval qui a de la qualité, mais qui n'est pas forcément super pratique. Il faut voir comment ça se goupille. Une PB, c'est un peu dur à réclamer, et puis elle fait ce qu'elle peut, les jambes un peu courtes. Il faudrait que je trouve la vendre un peu dans le sud. Un peu. Que je trouve la vendre dans le sud. Valse des Molans, une jument que j'avais arrêtée, qui avait fait un bon hiver, une bonne année l'année dernière. Arrêtée cet hiver, on met un petit peu de poids, on a retrouvé une jument qui a mal au boulet. On se soigne. Vector Winner a bien fait, il y en a gagné 4 cette année, et puis là il arrive un peu plus dans sa catégorie. Peut-être un peu plus dur, mais il a de bons restes. Hein. Il mériterait d'en gagner une à Paris. Villeneuve de Loup, très bien. Il avait gagné à Nantes fin d'année où il avait bougé, il avait eu une tendinite. Il était arrêté tout l'hiver. Il a trotté ce matin, tu l'as vu trotter. Et si on le retrouve, c'est bien ça, c'est un très bon cheval. Voiture parisienne, hein? Oui, oui, oui. Non, il marchait 15 à Nantes en dernière course. Il gagnait en roue libre. C'est un cheval qu'on a eu du mal à régler. Il manquait de force, il était loulou et. Et au moment que tout allait bien, il n'y avait plus qu'à bien faire, il a bougé, mais c'est un très bon cheval. Anto de Valas, Actif Phraséen, c'est des chevaux qui ont eu des problèmes de santé, qui n'ont pas trop de gains, mais qui sont capables de bien faire en province. Qui vont gagner une course ou deux en principe cet été. Anto de Valas, il y a un peu de regret parce que c'est un cheval que j'avais bien qualifié et puis qui a vraiment pas de santé, mais qui a encore une qualité autre que ce qu'il fait voir en ce moment. Azana, on a vu. Yadlou, c'est une jument qui a débuté à Cherbourg, qui a été seconde de Bluegrass et qui faisait une très belle course. Une jument qui va pas falloir tambouriner trop tôt, une Love You, mais qui peut vieillir et qui peut faire une bonne jument, une pointure parisienne. Valerine Robson a gagné en débutant, elle recourt vendredi à Amiens. Elle a gagné en débutant de la qualité, maintenant elle n'a pas trop de cerveau. Elle a une jument qui est très tendue. Si elle prend ça du bon côté, ça peut bien faire aussi. On va l'avoir à Paris aussi, celle-là ? Faut qu'elle soit vraiment bien façonnée. Si je mets la charrue avant les bœufs, je vais la rendre folle. Donc faut essayer de la façonner en province. Mais je pense qu'elle a le moteur pour gagner un prix serré à Paris. Maintenant, faut vraiment qu'elle prenne ça du bon côté. Elle peut tourner folle comme elle peut tourner bonne jument. Baraka de Loup, bonne petite ponette. C'est un petit peu en dessous. Elle a débuté, j'ai loupé à Grenay-en-Bray. Elle était un peu trop gourmand. J'aurais été troisième, j'ai fait la faute. C'est une jument qui demande à évoluer, elle va aller monter. Et une petite jument honnête. C'est pas la grosse cam, mais c'est une petite jument honnête. Beautiful River, elle vient très bien courir à Vincennes. Elle était troisième, elle marche 6,5, 2 minutes, petite piste, menée comme un con. Bonne jument. Bonne jument, elle a un moteur, elle est dure, elle est brave, elle a beaucoup de choses pour elle. Bikini des Molans, cheval qui va venir à l'âge, qui a déjà bien fait, il a 30 000 euros, qui est encore un petit peu fantasque, manque de force, beaucoup, très grand braquet, quand on pourra le défaire à des 4, on sera beaucoup mieux. T'as pas voulu courir le prix d'essai avec lui ? Prix d'essai, non, j'ai pas voulu courir parce qu'il y a une course fermée une semaine plus tard. On a le temps d'y aller et il est encore vert. Je vais faire des conneries si je me laisse tenter. Et puis dans l'IB, il y a quand même 2-3 clients. C'est pour lui mettre une fessée pour être cinquième. Ça va pas nous donner grand-chose. Après, j'ai Bomina qui a débuté à Elbeuf, qui gagnait en bonne jument. Pareil, ça va faire une bonne jument d'âge. Pareil, je pense qualité Paris. Elle court vendredi à Laval avec mon apprenti. Et je pense que ça va être bien. Puis après, c'est d'essai. Si on peut faire une hiérarchie dans tes B, tes 2-3. Dans les B, j'en ai 4 qui sont très bien. C'est Bayadlou, Beautiful River, Bikini des Molans et Bomina. Après, en dessous, Ballerine Robson, un tout petit peu en dessous. Il faudrait juste que le cerveau suive. Et puis après, j'ai Baraka de Loup, Blanche de Valas, Bob Detti, c'est des chevaux un petit peu en dessous, qualité province, quoi, des bons serviteurs. La génération d'essais, ça s'annonce comment ? Ni bien ni mal. J'ai pas. Tout le monde a des classiques pour moi. Je suis moins avancé, j'en ai essayé plus, je suis moins avancé, j'ai des poulains qui sont qualifiables.
Mais ouais, une année correcte. Après, il y a des chevaux qui sont très plaisants à cette saison-là et qui évoluent pas, donc je préfère éviter de m'avancer pour éviter de dire des bêtises. T'en as trop dit ou pas assez? Un nom très plaisant. Un nom très plaisant, Carla Blue. Et une Caro qui s'annonce pas trop mal. Allez, je vais t'en donner deux. Okay. Je la cherche, comment elle s'appelle? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec elle? Carlita Duclos. Carlita Duclos. Une oiseau de feu qui est assez plaisante. Et qui sera qualifiée à 2 ans et on verra ça pas avant 3 ans. Wow, 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 wow.